Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qui est la passionnante Myriam Côté, conseillère stratégique en intelligence artificielle. D'ailleurs, Myriam offre un atelier dans notre offre justement alphanumérique, donc peut-être que vous aurez la chance de la revoir lors d'un atelier. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, on va avoir une discussion un peu plus axée sur comment est-ce qu'on parle justement des connaissances liées à l'intelligence artificielle auprès de nos publics. Puis juste un peu une historique de base un peu sur c'est quoi l'intelligence artificielle, la place que Montréal joue, l'histoire un peu aussi à Myriam Côté, son parcours. Donc ça, c'est juste quelques petits morceaux de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vous présente Myriam Côté. Je vais la laisser se présenter par elle-même puis nous parler un peu de son parcours. À toi la parole. Bonjour Bianca. Merci de me donner l'opportunité d'interagir avec les gens de votre groupe de TechnoClub. Et puis, ça me fait plaisir d'être là. Mon parcours, bon Dieu, par où commencer? Je dirais que tout le temps dans ma vie, la justice, l'équité, ça a été quelque chose d'important pour moi, une fille dans une fratrie de trois, parce que j'avais deux frères. Et puis, c'était toujours important pour moi d'être traitée équitablement. Et donc, j'ai eu un parcours féministe en grandissant. C'était l'époque des superwomen, où pour avoir le droit de travailler, il fallait avant tout être capable d'avoir réglé tout. À la maison, pour que la maison soit impeccable. Donc, je suis partie de cette époque-là et puis j'ai décidé par choix d'investir un milieu professionnel non traditionnel et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un ingénieur. J'ai choisi l'ingénieur aussi parce que par mes goûts puis mes habiletés ou mes tendances naturelles, j'étais plus du côté artistique et créatif. J'ai fait des études universitaires en musique aussi, mais je pensais que l'ingénieur, j'avais la vision romantique de l'ingénieur. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui crée des choses, comme dans le film Back to the Future, à peu près. Alors, je me dis, bien, au moins, il va avoir un aspect créatif. Alors, c'est ça, je suis allée faire un ingénieur, puis après, j'ai décidé de me spécialiser en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'était au confluent de plusieurs domaines. Parce que j'étais curieuse, puis je voulais mélanger tout ça. Alors, il y avait la psychologie cognitive, les sciences, les mathématiques. Donc, c'est pour ça que je suis allée faire un doctorat en France. Je suis restée 3 ans et demi en France pour faire un doctorat, puis j'habitais à la Cité internationale universitaire. Et puis, le fait d'être là, à la Cité internationale, ça m'a ouvert les yeux sur, justement, l'humanité, comment créer des liens entre les gens pour se connaître. C'est quand on connaît l'autre qu'on peut cultiver la paix et l'harmonie. Puis j'ai trouvé que c'était une belle philosophie. C'est quelque chose que je me suis appropriée aussi dans mon travail par la suite. Là, je vais faire un saut rapide pour dire que finalement, d'après toutes mes expériences, j'ai été professeure à l'université, à l'ETS, j'ai travaillé dans des petites PME technologiques. Je dis toujours que je parle 4 langues, l'anglais, le français, l'universitaire et puis l'entrepreneur. Donc, j'ai navigué dans tous ces milieux-là. Et puis, récemment, les 10 dernières années de ma carrière, je les ai passées à Milan, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. J'ai été invitée par le professeur Yoshua Bengio à aller travailler avec lui quand il y avait une petite équipe de 30 personnes. Et puis, je l'ai aidée dans la gestion puis le développement de Milan. Donc, j'ai eu avec lui la responsabilité. Au début, il y avait 30 personnes, étudiants, personnel administratif, doctorants, professeurs. Puis à la fin, on était rendu à 300 personnes. Donc, j'ai à peu près tout fait. Et puis,
ce qui m'a importé à la fin de mon mandat, c'était surtout l'aspect l'IA pour l'humanité, comment on fait pour faire un développement de l'IA qui est éthique et socialement responsable. Parce que comme scientifique, c'est intéressant de chercher et de créer et de faire avancer la science, mais encore faut-il se poser la question, est-ce que c'est pertinent pour les gens? Est-ce que ça a un impact pertinent? Donc, il y avait toutes ces questions-là qui étaient au cœur de mes actions. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis avec vous, parce que je trouve que l'inclusion dans les débats, de faire qu'il n'y a pas personne qui est mis de côté dans ce qui arrive dans la révolution de l'IA en ce moment, je trouve ça important. Et puis, je voulais mettre ma contribution pour aider la littératie numérique. Alors, je suis très contente d'être avec vous. C'est à peu près ça, mon parcours. Merci, c'est quand même c'est un beau parcours, puis vraiment, c'est important, un parcours courageux, je trouve, qui a une belle vision. Puis justement, si on retourne un petit peu plus à la base, tu nous parles d'intelligence artificielle, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Bien, l'intelligence artificielle, c'est une bonne question. D'ailleurs, dans la présentation que je fais pour BiblioPresto d'un projet Alpha numérique qui s'appelle « Apprivoiser l'intelligence artificielle dans un monde en mutation », en fait, j'explique que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient des années 50. La première fois qu'on a entendu parler d'intelligence artificielle, c'est des chercheurs qui étaient dans différents domaines comme la cybernétique, les mathématiques, les modèles cognitifs, etc., qui, eux, avaient pour rêve, c'était une petite poignée de chercheurs, ils avaient pour rêve de créer des machines ou des systèmes qui sont capables d'apprendre. Et puis, ils se sont dit qu'ils appelleraient leur domaine de recherche l'intelligence artificielle. Mais c'est un peu chargé, parce que qu'est-ce que ça veut dire, intelligence, premièrement? Donc, eux, ils ont appelé ça comme ça, mais c'est porteur de bien des ambiguïtés. Puis, ben, j'espère qu'avec notre conversation qu'on aura aujourd'hui, on pourra démontrer que l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire intelligence artificielle générale, c'est-à-dire des machines qui font exactement tout ce qu'on fait, mais qu'en ce moment, c'est de l'intelligence artificielle restreinte, c'est-à-dire qu'elle est très bonne pour faire des calculs, puis faire donner des résultats intéressants pour des applications concrètes, mais dans un cadre restreint et très précis. On n'en est pas rendu encore à notre Robocop, là, puis les machines qui supplantent les humains. Non, on n'est pas rendu là. Puis comment est-ce qu'on programme, justement, l'intelligence artificielle? Bien, ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, tu sais, les ordinateurs, dès qu'il y en a eu, il a fallu faire travailler ça, ces petites machines-là. Comment est-ce qu'un humain interagit avec une machine? Il y a une interface. Donc, il faut qu'il y ait une interface qui soit capable de faire le lien entre nos intentions et puis comment la machine calcule. Une machine, un ordinateur, ça pense en 1 puis en 0, ça calcule. Alors, comment je fais pour donner des instructions, hein, à une machine pour qu'elle transforme ça en 0 puis 1, puis elle calcule, puis elle soit capable de reconvertir les 0 et 1 en message. Bon, mais tout simplement, quand moi ou quand un individu programme, c'est-à-dire rentrer des instructions sur un clavier avec du texte, hein, c'est comme une recette, on appelle ça un programme ou un algorithme, c'est une recette qu'on donne à l'ordinateur, c'est des instructions qu'on donne à l'ordinateur pour faire des calculs. Fait que quand on programme, un humain écrit, puis c'est lisible, mais c'est des instructions préétablies. Par exemple, si je veux demander à l'ordinateur qu'il m'imprime à l'écran « Bonjour le monde », ça c'est « Hello world », c'est la première chose qu'on fait seulement quand on apprend à programmer. Bien, là, il y a différentes langages pour faire cette programmation-là d'instructions. Il y en a une qui, il faut que je tape printf, P-R-I-N-T-F, puis là, je mets ça en quote, entre guillemets, hello world, puis là, je fais un point virgule, puis je fais un retour de chariot. Quand j'écris ça, bien là, l'ordinateur, il comprend ça, puis là, il est capable de m'afficher hello world. Fait que c'est juste une façon convenue d'avance avec un langage de programmation d'interagir avec l'ordinateur.
Puis une fois qu'on est capable de voir, d'avoir cet aller-retour, puis que ça fonctionne, bien là, là on est correct. Là, on est capable de faire réaliser des instructions préétablies ou qu'on veut à l'ordinateur. On discute avec lui à travers ce langage-là, finalement. C'est un peu, mais j'aime ça parce que ça démystifie beaucoup. On dirait que là, de comprendre justement le chemin qui est fait, bien, c'est tout simplement, c'est comme une machine qui effectue une opération, tout simplement. Oui, tout à fait. Je pense que tu m'avais parlé de Luc Julia, pas de la magie, lorsqu'on s'était parlé un peu en préparation. Ah oui. Tu peux m'en dire un peu plus sur ça, l'idée que c'est pas de la magie, l'intelligence artificielle. Oui. Luc Julia, ça peut être intéressant de le googler. C'est un chercheur de ma génération. En fait, on a étudié ensemble à Télécom Paris. Et puis, en intelligence artificielle, c'est ça. Et puis, lui, après son doctorat, il est parti en Californie travailler pour le Stanford Research Institute. Puis, je pense qu'il est resté là. Je pense qu'il s'est marié là-bas, en tout cas. Il a fait sa vie en Californie, en ayant quand même des pieds en France. Mais il a écrit récemment un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est juste parce qu'on le sait très bien que dans la culture française, on aime beaucoup travailler par provocation pour échanger des idées puis débattre des idées. Hein. Ils aiment bien ça, faire des rixes verbales puis d'arguments. Donc, lui, son livre, c'est « L'intelligence artificielle n'existe pas », un beau pavé dans la mare. Mais ce que ça fait, c'est d'exprimer un peu ce que j'ai dit tantôt, c'est que on peut bien voir les films de science-fiction qui sont faits par des créateurs, hein, qui imaginent des choses. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. C'est intéressant de se poser les questions, mais à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Si on met comme référence que l'intelligence, c'est l'intelligence générale, celle que les humains ont, puis on serait tout d'un coup capable de faire aux machines exactement ce que les humains font. C'est un peu ça qui essaie de démystifier. Alors, je vous conseille son livre. Il est accessible sur tous les endroits en ligne où on peut acheter des livres numériques ou papier. Parce que c'est ça. Il donne, c'est en français, puis il donne bien les mythes entourant l'intelligence artificielle, puis il précise les choses. Merci, Sarah. Je l'écris dans le clavardage, puis il y a des gens que ça l'intéresserait. Puis justement, il y a comme la comparaison avec l'intelligence humaine là, que tu viens de faire. Donc justement, comment est-ce qu'on teste l'intelligence artificielle, puis à quoi qu'on la compare, de quelle façon est-ce qu'on la compare? Oui, c'est une bonne question. En fait, je vous parlais des chercheurs au Dartmouth College, là, la conférence de Dartmouth en 1956, eux, ils ont dit, bien, écoutez, si on fait des recherches pour créer une machine qui est capable d'apprendre, comment est-ce qu'on va savoir que la machine, elle va avoir appris? Il faut bien qu'ils aient une façon de l'évaluer pour évaluer leur progression en recherche. Alors, un des fameux chercheurs de l'époque, qui s'appelle Alan Turing, on en a entendu parler souvent. Alan Turing, si vous ne le connaissez pas, allez voir le très bon film « Le jeu de l'imitation » parce que ça parle de sa vie, puis justement du test, on l'a appelé le test de Turing, qui permet d'évaluer si un système est intelligent ou pas, par exemple. Fait que le test de Turing ou le jeu de l'imitation consiste à ce qu'une machine imite un humain, puis de voir si une personne qui teste est capable de faire la différence entre ce qu'un humain peut répondre dans une conversation avec le testeur ou ce qu'une machine peut répondre dans une conversation avec le même testeur. Donc, finalement, il y a trois éléments dans ce jeu-là. On a un testeur, lui, comme je disais, c'est la personne qui doit identifier s'il discute avec une machine ou avec un humain. Puis, ils discutent à travers un échange, on pourrait dire, de courriel ou d'échange sur un clavier de messages, mais ils ne voient pas ni la personne A ni la personne B avec qui il échange des messages. Et un des joueurs, on va dire le joueur A, il est dans une pièce isolée, puis c'est un humain, pour vrai.
Et le joueur B, il est, le joueur B est dans une pièce isolée, mais c'est une machine. Donc, si le testeur n'est pas capable de faire la différence entre le joueur A et le joueur B, on dit que la machine est intelligente à ce moment-là parce qu'elle est capable d'imiter le dialogue ou la conversation d'un humain sans qu'un humain s'en rende compte. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore une machine qui est vraiment capable de passer le test de Turing. Mais vous pouvez taper test de Turing 2021, vous allez voir les plus récents essais ou les plus récentes expériences à ce sujet-là. Ça évolue, mais on n'est pas encore rendu là. Puis, on va faire un petit retour un peu. C'est quoi justement l'atelier d'intelligence artificielle qui est présenté? De quoi est-ce qu'on parle dans cet atelier-là? Ah! Bien, en fait, je parle de comment on peut apprivoiser l'intelligence artificielle dans un monde qui est en profonde mutation. Parce que, tu sais, il n'y a rien de plus constant que le changement. Le Yikin dit, la seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. Puis, c'est la raison pour laquelle on est devenu intelligent avec un cerveau qui s'est développé. Parce que le cerveau, comme il est maintenant, c'est la réponse au processus d'évolution où un humain doit apprendre à s'adapter à son environnement pour survivre. S'il n'y avait pas eu d'adaptation à cause du changement constant, on n'aurait pas développé la grosseur de notre cerveau durant l'évolution. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est capable de s'adapter au changement. On est fait pour ça. Notre intelligence s'est développée comme ça. Donc, je dis ça pour rassurer les gens qui se sentent un petit peu dépassés par ce qui arrive avec l'informatique. Ça leur fait peur, puis qui n'osent pas, qui démissionnent un peu, qui n'osent pas trop faire rien en regardant ça avec effroi. Moi, je dirais au contraire, vous êtes équipés pour vous adapter. Et puis, il n'y a pas de raison que l'adaptation ne puisse pas opérer encore. Fait que, au contraire, intéressez-vous, puis regardez qu'est-ce qui se passe pour comprendre un peu, puis surtout de continuer à participer au débat de la société pour ne pas être mis de côté. Ça ne sert à rien de créer le futur en discutant seulement avec des programmeurs. Ils ne sont pas représentatifs de toute la société. On a besoin de tous les yeux, toutes les perspectives, toutes les expériences différentes pour faire une société plus meilleure. Il faut que notre société soit agréable. Il ne faut pas qu'on soit dans le film de Robocop, après tout. où les robots seraient pas comme... en tout cas, je pense pas qu'ils vont devenir comme c'est dans le film, mais en tout cas, faudrait pas. À l'heure actuelle, une des choses qui existent pour vrai, c'est les robots tueurs, hein, les fameux drones. Ils sont capables de... On est très bon maintenant en reconnaissance visuelle parce qu'une des raisons pourquoi il y a eu une grosse révolution avec l'IA, c'est parce que une des tâches sur lesquelles les chercheurs en intelligence artificielle se sont concentrés, c'est être capable d'identifier des objets dans une photo, par exemple. On appelle ça de la reconnaissance de forme ou de l'analyse de scène. Et puis, pendant longtemps, moi, j'ai fait de l'intelligence artificielle classique, là. Pendant longtemps, c'était un problème difficile, puis on n'arrivait pas à obtenir des résultats meilleurs que, disons, on dit ça comme ça dans les airs, là, 70 % de succès de reconnaissance de manière automatique. Bon. Mais grâce à l'arrivée des réseaux neuronaux profonds, puis à l'Université de Montréal, spécifiquement à Mila, on a des excellents chercheurs dans ce domaine-là, puis c'est pourquoi on est devenu. C'est quoi un réseau? Je vais vous expliquer ça. Mais je veux juste dire, en gros, l'idée, c'est que grâce à des nouvelles techniques d'intelligence artificielle qu'on a trouvées, puis je vous en parlerai après, c'est que là, on était capable de reconnaître des objets dans des images presque à 99 % du temps. On était rendu à un niveau de reconnaissance qui était équivalente à celle des humains. Alors, donc, à l'heure actuelle, c'est possible d'avoir des drones sur lesquels on met une caméra qui sont capables de reconnaître très bien qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, qui sont capables, s'ils sont armés,
d'aller cibler une cible, d'aller attaquer une cible. Fait que ça, en ce moment, c'est possible. Ça existe. On l'a vu avec la guerre, ben, tu sais, les contre-attaques qui se sont passées en Afghanistan après l'attaque qu'il y a eu à l'aéroport. Les Américains ont envoyé des drones. Des drones avec ouais, des armes. Fait que ça se fait en ce moment. Est-ce que c'est ça qu'on veut? À l'Université de Montréal, il y a beaucoup de professeurs qui ont signé une pétition pour dénoncer ça, puis de dire que ça ne devrait pas être permis. Donc, il y a plein de chercheurs à travers le monde qui ont signé cette pétition-là contre les robots tueurs. C'est des choix de société rendus à ce point-là. Exact. C'est pour En ça que tant que tout le société. monde, on doit être. C'est pour ça que tout le monde en doit être conscient des enjeux. Puis c'est pour ça que je veux vous parler aujourd'hui. Puis justement, si on, c'est quoi les concepts et les termes de base un peu à connaître? Puis comment est-ce qu'on les vulgarise? Comment est-ce qu'on apprend un peu mieux justement là, se diriger dans ces débats-là de société? C'est quoi les termes à connaître? Mais les choses les plus importantes, c'est de comprendre que les programmes, les algorithmes en intelligence artificielle, souvent, il y en a plusieurs, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs niveaux, etc. Mais s'il y a eu tant d'engouement dans les dernières années, c'est surtout à cause des succès retentissants qu'on a réussi à obtenir avec ce qu'on appelle des méthodes qui sont des réseaux neuronaux artificiels. Puis, c'est des réseaux qui sont capables d'apprendre. Tu sais, je disais que l'intelligence artificielle, au début, on disait qu'on essayait de créer des machines qui sont capables d'apprendre. Hein, les réseaux neuronaux profonds, où on a des spécialistes ici à Montréal, à Mila, par exemple, avec Joshua Bengio, il a gagné lui-même le prix Turing, hein, c'est l'équivalent du prix Nobel, pour ses travaux avec Jeffrey Hinton et Yann LeCun. C'est deux autres chercheurs qui ont contribué à développer les réseaux neuronaux profonds. Ben, comment ça fonctionne, puis sur quoi ça se base? Donc, c'est ça qui est le plus important, ce qui est important à comprendre pour saisir un peu l'envergure de ce qui se passe, c'est que les réseaux neuronaux profonds sont capables d'apprendre puis obtenir des résultats. Comme je vous ai parlé tantôt, qui peuvent équivaloir à ce que les humains font, mais pour des tâches assez restreintes puis précises. Puis, c'est pour ça qu'il y a un engouement. Alors, comment on a réussi à faire des programmes de réseaux neuronaux profonds? Bien, c'est parce qu'on a été capable d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Parce que ces modèles-là, ces recettes-là informatiques, on appelle ça des modèles. Ces modèles-là informatiques sont basés sur des mathématiques avancées, puis qui sont basés aussi sur des principes de statistiques avancées. Puis on sait, les statistiques, ça marche avec la loi des grands nombres, hein? On doit observer, on doit faire beaucoup d'observations pour être capable de déterminer des choses au point de vue statistique. Hein? On pense au sondage. Ils disent toujours qu'on doit sonder plusieurs personnes pour que le résultat du sondage soit fiable, t'sais, qu'il soit réaliste. Donc, on a besoin de beaucoup d'observations. Puis comme les réseaux neuronaux profonds sont basés sur des mathématiques et des statistiques avancées, ben, ce qu'on a besoin pour leur faire apprendre, c'est de beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations, ça veut dire beaucoup de données. Par exemple, je ne sais pas moi, si je veux faire un système qui apprend à reconnaître des images, si on lui donne des images, là, puis elle apprend à reconnaître entre des chiens ou des chats, hein? On donne plein d'images d'animaux. Puis l'image, le système est capable de reconnaître, faire la différence entre des chiens puis des chats. Bien, il faut être capable au départ pour lui faire apprendre, lui montrer beaucoup d'images de chiens puis beaucoup d'images de chats. Fait que ça, là, les images qu'on collecte, c'est des données. Puis plus on en a des données, on appelle ça une base de données, un ensemble de données. Et dans le cas des réseaux neuronaux profonds, on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de données. Avant, ce n'était pas possible d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, mais ça, c'était une chose qui a contribué à faire qu'on était capable d'obtenir des résultats intéressants avec les réseaux neuronaux profonds. C'est parce qu'on était capable tout d'un coup d'accumuler beaucoup de données.
Puis là, quand je dis beaucoup de données, là, si je veux faire mon système qui reconnaît les chats puis les chiens, on parle pas de 10 photos de chiens et 10 photos de chats, on parle des 100 000, 200 000 et plus. OK? Puis, on doit, pourquoi? Parce qu'on doit être capable de rendre notre système robuste à la variation, à la diversité. Parce qu'un chien, c'est quoi qui fait qu'il est un chien? Il y en a plusieurs sortes de chiens, mais à la fin, on sait tous que c'est des chiens. On les photographie le soir, la nuit, le jour, l'hiver, l'automne. Il faut avoir des images différentes, mais c'est toujours un chien. Mais ça, on a besoin de fournir ça à notre modèle pour qu'il soit capable à la fin d'extraire qu'est-ce qui fait que j'ai la substantielle moelle du chien. Qu'est-ce qui fait que j'ai la caractéristique essentielle du chien pour que quand, une fois, il a appris, puis que je l'utilise sur des images qu'il n'a jamais vues, il soit capable de reconnaître un chien d'un chat de manière très, très, ben, avec beaucoup de succès. Très fiable, de manière très fiable. Je ne sais pas, là, j'ai parlé beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à Non, ta mais question? c'est parfait, C'est c'est très vraiment clair? parfait. Oui, c'était super clair, au contraire, je pense que c'est une des meilleures explications que j'ai entendues sur justement ce processus-là d'entraînement de l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est pour réseau de neuronaux, mais admettons, quand on dit machine learning, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a Ah, mais plusieurs. ça, c'est intéressant, oui. Donc, là, on disait quelles sont les choses importantes à avoir pour faire de l'intelligence artificielle. Là, j'ai parlé des données. Hein? On a parlé maintenant, là, c'est partout, là, c'est le big data, beaucoup de données, des quantités astronomiques de données. Parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas entraîner un système intelligent. En tout cas, dans certaines techniques, certaines façons de faire de l'intelligence artificielle ont besoin de beaucoup, beaucoup de données. Donc, là, j'ai dit les données, c'était très important. Aussi, la puissance de calcul. Je vais revenir à ta question, Bianca. Si je ne réponds pas, tu me diras. L'autre ingrédient le plus important, c'est la puissance de calcul. Hein? J'ai dit tantôt qu'un ordinateur, c'est un calculateur. Bon. Le calculateur, il peut aller à une vitesse, c'est à une vitesse. Mais plus la vitesse augmente, plus mon calcul va vite, plus j'obtiens ma réponse à l'autre bout rapidement, n'est-ce pas? Quand on avait des calculateurs qui n'étaient pas capables de calculer vite, il y a des problèmes complexes qu'on ne pouvait pas y donner à faire parce qu'on n'aurait pas été capable d'avoir la réponse de notre vivant. Ça aurait été trop long à calculer. Mais maintenant, avec l'arrivée des GPU qui sont capables de faire beaucoup de calculs en parallèle, bien là, la vitesse de calcul a augmenté par 10. Ce qui fait que ça aussi, ça l'a aidé. Parce que si on prend beaucoup de données qu'on doit traiter, bien, on a besoin de traiter ça de plus en plus rapidement pour être sûr d'avoir une réponse avant qu'on meure. Tu comprends-tu? Fait que ça, c'est deux ingrédients. En plus des modèles de réseaux neuronaux profonds, par exemple, qui ont fait qu'on est dans les révolutions de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Maintenant, tu as posé la question machine learning, intelligence artificielle, deep learning, tout ça, c'est quoi les différences? Bon. Je dirais que c'est. Je ne sais pas si vous vous souvenez des diagrammes de Venn qu'on faisait quand on était au primaire avec les cercles, les intersections, tout ça. Bon. Je vais essayer de vous présenter ça avec ça. On dirait que l'univers, ben en tout cas, un des grands cercles, ce serait l'intelligence artificielle. Un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, ce serait l'apprentissage automatique, qui est la traduction de machine learning. Puis un sous-ensemble d'apprentissage automatique, c'est les réseaux profonds. OK? Parce que dans l'intelligence artificielle, tu as plusieurs techniques, dont l'apprentissage automatique. Hein? Puis l'apprentissage automatique, ben, c'est des techniques qui permettent de faire des machines qui sont capables d'apprendre. Ben, il y a d'autres choses dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas juste ça. Quand on regarde les machines qui sont en train d'apprendre, ben là, il y en a plusieurs techniques aussi, mais une qui est très, très, très populaire en ce moment, puis qui fait qu'on est dans une révolution, ben, c'est les réseaux neuronaux profonds. C'est pour ça qu'il y a eu l'équivalent d'un prix Nobel en 2019 pour cette recherche-là. C'est pour ça que
Écoute, grâce aux réseaux neuronaux profonds appliqués à la reconnaissance de parole, nos algorithmes, Amila, on a obtenu des records fracassants, tellement fracassants pour faire reconnaître la parole. Autant qu'on reconnaissait des objets dans des images, ben là, on a essayé ça avec des mots, de la parole. Est-ce qu'on est capable de reconnaître la parole? On a fait des records fracassants. Et donc, là, qu'est-ce qui est arrivé? Google a pris les algorithmes qu'on a développés à l'Université de Montréal pour mettre ça dans leur téléphone. Alors là, c'est pour ça que là, Google, tout d'un coup, est intéressé par les chercheurs à Montréal. Puis là, c'est pour ça que tout d'un coup, Google est venu ouvrir des bureaux à Montréal. Ils sont tous intéressés à voir ces gens-là, spécialistes, pour créer des produits, parce que maintenant, on est capable de réaliser des applications concrètes de tous les de notre monde complexe avec les réseaux neuronaux profonds. Avant, on n'était pas capable. Maintenant, on est capable. Alors, on peut faire des produits. Si on fait des produits, on peut faire de l'argent. Et que beaucoup des compagnies sont intéressées par ça. Donc, ils veulent des employés qui ont cette expertise-là. C'est pour ça qu'ils viennent à Montréal. Mais tu parles de Montréal, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont... C'est quand même une ville qui est assez foisonnante en intelligence artificielle. Donc, il y a un peu l'envers de la médaille de la déclaration de Montréal. Il y a Google qui vient, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une balance qui se crée. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette fameuse déclaration? Bien sûr! Merci de poser cette question-là. C'est bien, Bianca, tu me gardes sur un bon chemin. Ben, en fait, effectivement, tu sais, j'en parlais tantôt, on peut faire de la recherche puis être passionné par des problématiques techniques, hein, scientifiques, mathématiques, en ayant l'objectif de faire des machines qui sont capables d'apprendre. Mais bon, est-ce qu'il y a des limitations à ça? Est-ce qu'il y a des inconvénients à ça? Est-ce que tant qu'un système n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, là, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui se sont dit, mais là, on voit le pouvoir de ces systèmes-là, puis il faudrait que ça soit encadré, puis il faudrait que les retombées de ces recherches-là soient positives pour la société. Alors, il y a des chercheurs ou des groupes de personnes dans toutes sortes de disciplines, pas juste des scientifiques, hein, ça prend des gens qui ne font pas ça, justement, qui ont des lunettes différentes par rapport à ce qui se passe en science, comme des philosophes, des éthiciens, des anthropologues, bon, etc., qui ça pose la question, mais quelles seraient les balises philosophiques sur lesquelles on devrait bâtir le développement de l'intelligence artificielle? Alors, ça, c'est Marc-Antoine Dilhac qui a initié ça à l'Université de Montréal. Puis, avec d'autres collègues, ils ont fait des débats publics avec tous les composants de la société. Puis, ils sont arrivés à 10 valeurs fondamentales pour le développement éthique et socialement responsable de l'IA. Ça s'appelle la Déclaration de Montréal. Puis, je vous invite à aller la consulter. Je ne sais pas si tu as le transparent sur la Déclaration de Montréal que tu pourrais montrer, ou est-ce sinon je vais montrer. Oui, je te laisse. Oui, je peux le montrer. Si tu veux, je peux partager mon écran pour le montrer. Parfait. Juste dire dans le clavardage, on va partager le lien aussi vers la Déclaration de Montréal, carrément. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, ça apparaît tranquillement. Oui. Yes, on voit. Bon, c'est juste pour vous montrer, parce que je ne vais pas lire tout en détail, là. Ça vaut la peine d'aller la lire, la Déclaration de Montréal, puis surtout de la signer pour l'appuyer, pour lui donner de la force. C'est comme un peu une pétition. Puis on devrait être fiers de supporter ce travail-là qui a été fait à Montréal. On le sait que dans le monde, il y a plusieurs gens qui font leur déclaration dans ce sens-là, mais on peut dire qu'à Montréal, on était dans les premiers. Puis je trouve qu'on devrait être fiers de cette initiative-là au Québec puis au Canada. Alors, ce que ça dit finalement, c'est qu'un système artificiel, il devrait viser le bien-être des gens. Il devrait protéger l'intimité puis la vie privée. Il devrait être inclusif. Il devrait faciliter l'équité puis la démocratie, soutenable au point de vue écologique, etc. Donc, je vous en dirai pas plus à ce sujet-là, mais je voulais juste que vous ayez
conscience que ça existe, puis que c'est une belle ressource. Là, je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez toujours, Bianca? Ah, là, je ne te vois plus. OK. Là, Ah, c'est bon? ça réapparaît. Oui, OK, c'est parfait. super. Un petit ajustement avec les outils technologiques. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, de plus en plus, ce genre d'initiative-là se fait à travers le monde. Puis, il y a tout un mouvement autour du développement de l'IA qu'on a appelé AI for Good, AI for Humanity, s'assurer que le développement de l'IA soit centré sur les humains, pas que les humains suivent en arrière. C'est qu'on développe les choses pour les humains. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas avoir confiance dans ces technologies-là. Comme on voit pour les vaccins, d'ailleurs, ça arrive. Hein, là, il y a des gens qui n'ont pas confiance en la technologie. Donc, c'est important qu'on ait ça en tête pendant qu'on développe tout ce qui va arriver par la suite. Puis justement, tu parles d'éthique et d'intelligence artificielle, je pense que c'est un peu dur, c'est comme l'éléphant dans la pièce. Si on parle des fameux biais algorithmiques, Oui. je pense que c'est un autre point qui serait intéressant de creuser un peu. C'est quoi un biais algorithmique, puis comment est-ce que ça se produit? Je te Oui. laisse. Oui. C'est intéressant. Là, je n'ai pas l'image avec moi, mais si ça vous intéresse de voir des choses comme ça, vous pourrez venir voir la conférence sur Apprivoiser l'IA là, que je donne pour le grand public. Mais en fait, c'est parce que c'est pas parce que on a devant nous un programme informatique qui va donner la vérité. La première chose, il faut toujours exercer son sens critique. D'ailleurs, quand on programme un système intelligent, il faut être conscient de ce qu'on met. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a comme un artisanat, une expertise dans ça. Mais si les programmeurs n'ont pas conscience qu'il peut y avoir des enjeux éthiques dans leur travail, peut-être qu'ils ne regarderont pas nécessairement ce qu'il faut pour programmer correctement. Puis là, je parle du fait que un système intelligent, je vous l'ai dit tantôt, ça apprend à partir de données. Puis on sait que les données sont biaisées. Donc, si les données sont biaisées, puis qu'on ne fait pas attention à ce que ça peut dire quand on développe un programme, bien, ça se peut que les résultats soient biaisés. Puis je vais vous donner un exemple de ça. Il y a des fameux systèmes de reconnaissance de visage, hein, qui ont été développés. Puis je ne dirai pas par qui, là, mais je ne veux pas faire Vous avez juste à chercher, vous allez trouver. Donc, les systèmes de reconnaissance automatique de visage, il y a une personne, une étudiante de MIT, c'est une personne avec la peau noire, puis elle a testé cet algorithme-là, ce système-là de reconnaissance de visage, puis elle s'est rendue compte que le système n'était pas capable de la détecter. Faut savoir que quand le système était capable de détecter le visage d'une personne, mettons Bianca, si tu te mettais devant ce programme-là, on verrait que sur ton visage apparaîtraient des triangles pour montrer que la machine est en train de détecter les contours de ton visage. Hein? Mais cette étudiante-là, elle, quand elle faisait le test, la machine n'était pas capable de faire les triangles sur son visage et elle ne détectait pas, il ne la voyait pas du tout. Et puis là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un masque blanc, elle se l'est mis sur le visage et puis là, d'un coup, il détectait son visage. Ça s'appelle un biais, c'est-à-dire que le système a appris à reconnaître des personnes avec la peau blanche, mais pas des personnes avec la peau noire. Pourquoi? Parce que les données sur lesquelles on a entraîné, il n'y avait pas de personnes avec la peau noire. C'est ce qu'on appelle un biais. Je disais tantôt qu'en statistique, on a besoin de représenter la diversité, mais si on prend juste une sous-partie de la diversité, bien, on va avoir juste quelque chose qui travaille avec cette partie-là, puis pas tout au complet. C'est pour ça qu'on disait que le développement de l'intelligence artificielle devrait être inclusif. Hein? Bon, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien
que des systèmes de sécurité détectent juste les Blancs puis que laissent sous silence les personnes noires? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut se faire détecter quand même? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut Big Brother qui nous regarde? Je ne sais pas. Je pose la question. Mais en tout cas, c'était un exemple évident pour illustrer que ce n'est pas parce qu'un système donne une réponse qu'il ne faut pas exercer notre sens critique et penser que c'est la vérité absolue. Ça, c'en est un exemple flagrant. Puis, comment est-ce qu'on pourrait amener justement, tu sais, là, je pense aux gens qui assistent aujourd'hui à l'événement, qui sont peut-être, qui travaillent en bibliothèque, qui travaillent dans des écoles, des organismes communautaires. Comment est-ce qu'ils amènent leur public justement à se sentir concerné par l'intelligence artificielle? Bien, moi, je pense que c'est surtout de réaliser quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies, finalement. Puis ça, j'en parle aussi dans la conférence que je donne à Apprivoiser l'IA, c'est-à-dire que peut-être que quand on se promène dans notre ville puis qu'on va faire des courses dans différents magasins, ou en tout cas, quand on se promène dans notre village, on ne voit pas l'intelligence artificielle, mais elle se cache partout. Puis de le réaliser, c'est important parce qu'après ça, on peut exercer notre sens critique par rapport à ce qui est en train d'arriver. Par exemple, si vous allez acheter des couches, par exemple, à la pharmacie, ça se peut que, parce que les données voyagent puis que la pharmacie acquiert des données sur votre panier de consommation puis qu'elle partage ça avec des partenaires commerciaux, comme par exemple Couche qui dirait vêtements pour enfants, donc boutique de vêtements pour enfants, partenaire de la pharmacie, puis que les deux échangent ces données-là acquises par la pharmacie, bien là, ça se pourrait que quand vous sortez de la pharmacie, bien, vous allez recevoir une petite notification d'un commerçant qui n'est pas trop loin de vous, qui sait que vous êtes là parce qu'il a pu vous localiser, puis qui a fait le lien entre vos achats de couches, puis qui se dit, bien, peut-être que vous pourriez être un consommateur intéressant pour ma boutique de vêtements pour enfants. Donc, je vais vous envoyer un rabais tout de suite, à l'instant, quand vous sortez de la pharmacie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? C'est un peu envahissant. Est-ce qu'on veut que nos données soient recoupées en différents commerces comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est qu'il y en a besoin d'encadrement. Donc, ça, c'est une des choses. Il y a des trucs positifs, par contre. Si je m'en vais à l'hôpital pour me faire une radiographie pour savoir si j'ai un cancer des intestins, par exemple, bien, il faut savoir que maintenant, il y a des systèmes intelligents qui utilisent des réseaux neuronaux profonds dont je parlais tout à l'heure, qui sont capables de détecter des tumeurs cancéreuses de l'intestin plus rapidement que juste un médecin qui regarde la radiographie à l'œil nu. Donc, ça permet de faire un diagnostic plus tôt, ce qui fait que ça peut sauver des vies parce qu'on le prend plus tôt, le cancer. Mais encore là, ça cause un débat. Est-ce qu'on laisse le diagnostic d'une maladie terrible comme ça juste à une machine ou il faut que le médecin reste là puis que ça soit juste une assistance pour le médecin pour que le médecin, lui, voit d'autres choses que peut-être qu'une machine n'a pas perçues? Donc, il y a toutes sortes de problématiques comme ça à prendre en compte. Quelle autre chose que je pourrais vous dire? Une autre chose qui est intéressante, je vous ai parlé de la sécurité, encore une fois, il y a des caméras qui sont placées pour éviter des choses affreuses, comme par exemple en Angleterre, il y a beaucoup de caméras partout parce qu'ils ont beaucoup de terroristes, des gens qui placent des bombes, tout ça, puis ils veulent le savoir. En même temps, elle est où notre vie privée? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est important qu'on s'informe des enjeux justement pour être capable de donner notre opinion par rapport à ça, prendre des positions, puis de signifier très clairement au gouvernement qui fait la législation dans quel genre de société on a envie de vivre. Mais s'il n'y a personne qui parle, puis on laisse tout ça se développer sauvagement pour le bénéfice de l'entreprise. L'entreprise fait des bonnes choses aussi, mais je veux dire, si c'est sauvagement faire de l'argent pour faire de l'argent sans se préoccuper des humains, ben, tu sais, il faut être capable de connaître les enjeux.
c'est un peu d'équilibrer comme s'il y avait juste un développement privé puis pas pour la société, bien ça exact. Très éventuellement. Ouais. C'est ça. Puis en même temps, ça soit gagnant. Ouais. Oui. Puis sur le plan écologique, est-ce que tu as des exemples d'enjeux éthiques? Oui, les enjeux éthiques, bien ça, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, on a beaucoup maintenant de livres qui sont numériques parce qu'on se dit on va utiliser le numérique parce qu'on ne veut pas couper des arbres. OK? On ne veut pas couper des arbres, on veut préserver les forêts. Mais c'est pas si simple que ça parce qu'on sait que les données, elles sont sauvegardées sur des serveurs qui prennent beaucoup d'électricité et qui dégagent beaucoup de chaleur. Mais la chaleur, ça a un impact sur le réchauffement climatique aussi. Alors, il y a beaucoup de choses. T'sais, on sait que ces entrepôts de données-là, ils sont refroidis ou ça, mais il y a une quantité d'énergie qui est là aussi. Fait qu'il faut, c'est pas évident de faire la balance des choses, savoir qu'est-ce qui est le moins dommageable. Il y a aussi des enjeux pour le climat avec l'intelligence artificielle. Mais je me permets de dire que justement, au mois de novembre, on va recevoir Martin Deron de Chemin de Transition. Fait que s'il y en a que ça l'intéresse, justement, là, ce parcours-là des serveurs, tout ça, on va en parler dans les événements à venir. Là, on arrive aux 10 dernières minutes. Peut-être qu'on peut finir sur une note positive. C'est des exemples d'applications positives, concrètes de l'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. Mais c'est surtout, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pour le climat, oui, pour sensibiliser les gens à l'environnement. Puis je vais vous donner un exemple. Mais aussi dans le domaine médical, il y a beaucoup d'avancées pour, par exemple, pour faire. On sait que le développement pharmaceutique là, de médicaments, tu sais, un médicament, c'est testé sur une population, puis on fait une moyenne, là. Puis on fait le médicament pour une moyenne de personnes à qui ça a causé des effets positifs. On sait très bien qu'il n'y a pas un humain qui est pareil. Même si la vaste majorité des personnes qui ont essayé le médicament sont contents puis que ça a été positif pour eux, bien, il y en a pour qui ça fait des effets secondaires qui ne sont pas intéressants. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on prend un médicament, on a la liste des effets secondaires qui peuvent être mauvais pour nous. Alors là, ce qu'on est en train de faire avec les réseaux neuronaux profonds, c'est de la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on combine la génétique d'une personne avec son dosage ou sa molécule de médicaments qui pourrait éviter les effets secondaires. On personnalise les médicaments. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Bon, c'est comme si on aurait notre médicament juste pour nous. Et puis, l'autre chose, c'est le fait qu'avec, grâce aux réseaux neuronaux profonds, on est capable de trouver des molécules beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que ça peut, par exemple, mettons que dans les 30 dernières années, il y avait des ingénieurs en chimie qui étaient capables de trouver peut-être, je ne sais pas moi, je dis des chiffres comme ça, une ou deux molécules par année. Bien maintenant, dans une année, on est capable d'en trouver 10 fois plus. OK? Donc, on a accéléré la découverte de molécules pour des médicaments grâce aux algorithmes d'apprentissage des réseaux neuronaux profonds. Puis ça fait que, ben, ça fait qu'on a des médicaments plus vite, des meilleurs médicaments. Donc, on accélère la recherche par rapport à ça. Et ça aussi, c'est positif. Ben oui, puis si les gens veulent justement être informés un peu des développements récents de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des sources à suivre ou des choses à connaître? Je vous ai mis pour aller plus loin. Je peux partager l'écran encore une fois. J'espère que je ne vous perdrai pas. Mais je vous ai mis une petite liste de liens qu'on peut consulter pour aller plus loin. Est-ce que vous voyez? Attends, c'est encore en train de chercher, mais je l'ai la liste. On va pouvoir la partager. Vous l'avez? Oui, OK. Ouais. Est-ce que vous la voyez, là? Oui, on la voit. Oui.
Donc, c'est ça. Ça, c'est plein de liens. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont pour d'initiation, hein. C'est vraiment grand public. Alors, inquiétez-vous pas, là, vous allez être capable de décoder tout ça et de comprendre tout ça. Je dirais par rapport aux enjeux éthiques, le livre de Cathy O'Neill, il y a la version française, est très intéressant. C'est une chercheure qui a lancé le débat rapidement, tôt. Et puis, c'est bien intéressant, elle fait le tour de plusieurs questions. Puis il y a aussi le film, j'ai vu ça se passer tantôt dans les messages des participants, où il y a un film de Netflix qui s'appelle Coded Bias, Algo and Discrimination. Puis c'est sur Netflix. Justement, c'est la chercheure dont je parlais tout à l'heure là, qui est au centre de ce documentaire-là. C'est bien intéressant, c'est facile à comprendre aussi, puis c'est fait de manière très ludique. Alors, après ça, ben, on a nos beaux organismes qu'on a ici maintenant au Québec, là, OBVIA, qui est un observatoire. C'est des gens qui ne sont pas en sciences, mais surtout dans les sciences humaines, qui ont un regard critique sur tout ce qui se fait dans le développement de l'IA, puis c'est important. Ils font beaucoup de communication pour le public avec des rapports, des livres blancs. C'est bien intéressant ce qu'ils font, Oui, on a eu la chance d'avoir Karine Jean-Clay qui était venue parler avec nous aussi. Super intéressant que les travaux l'OBVIA. en ce moment. Oui. Et puis, on a aussi le CELIAN qui est le Centre d'expertise de Montréal, international, mais qui est à Montréal en intelligence artificielle. Ça, c'est pour faire des projets qui ont un impact positif sur les gens, tu sais, du AI for good. C'est le CELIAN qui s'occupe de ça. Puis c'est nouveau, là, c'est récent, ça fait pas un an et demi que ça existe. Donc, on est chanceux parce qu'on a des fleurons ici. Au Québec, puis ce sont des sources d'inspiration, puis on essaye de prendre notre place importante. Oh, je te vois, on ne te voit plus, Myriam. Là, est-ce OK. que c'est bon? Oui. Bon. Oh. Je ne sais jamais de faire OK, pas OK. Bon, c'est bon. Et donc, c'est ça. Je trouve qu'on devrait être fiers de toute la recherche qui a été faite, qu'on ait eu l'équivalent d'un prix Nobel ici, que les grandes entreprises, les GAFAM, soient intéressées à notre travail parce que c'est pas pour rien qu'ils viennent ici, que on a eu des initiatives positives pour l'IA pour l'humanité à travers la Déclaration de Montréal, l'OBVIA, le CEMIA. Et donc, je trouve qu'en tant que Québécois, on devrait être fiers, en tant que Canadien aussi, puisque je ne veux pas laisser personne de côté. Puis, je trouve qu'on devrait s'intéresser à ça. Ça nous appartient. Tu sais, ça pourrait être comme... Il y en a qui aiment beaucoup Céline. Ben, c'est l'équivalent de notre Céline, mais en intelligence artificielle. Donc, je trouve que c'est important qu'on soit au courant, qu'on rayonne à travers le monde, puis on devrait être fiers de ça. Bien, un grand Voilà. merci pour l'échange aujourd'hui. On a un petit 3 minutes qui reste si les gens veulent poser des questions dans le clavardage. Sinon, je voulais dire que ce soir même, tu donnes justement Oui. l'activité sur l'intelligence artificielle. On va la partager dans le lien dans le clavardage. Puis il y aura aussi, c'est à 7 heures ce soir, puis il va aussi avoir une autre représentation, une représentation, un grand spectacle. Mais oui, le 23 septembre, en après-midi, cette fois-là, à 14 h. Donc, si l'après-midi, c'est un meilleur moment pour vous, mais sinon, c'est ça, ce soir. À 7 heures, vous aurez la chance, si vous le souhaitez, de participer. Ou sinon, vous pouvez justement partager avec vos participants. Oh, quelqu'un dit, on dirait que je ne peux pas copier-coller les liens du chat. Serait-ce possible de nous envoyer le tout par courriel? Oui, c'est là que j'arrivais aussi. Tous les liens qui ont été partagés aujourd'hui, on va les repartager par courriel. Vous allez recevoir toutes les adresses qui étaient inscrites à l'événement, on va repartager tous les liens d'inscription vers les ateliers aussi. Fait un grand merci, Myriam, c'était vraiment intéressant, instructif, passionnant, toujours plaisant de t'écouter. Vraiment, c'est un partage qui était très généreux. On nous dit merci pour cette excellente présentation. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout dans cette conversation. Merci à Bianca. Puis j'espère vous retrouver à l'autre conférence. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez mes données de contact, là, je pense, hein?
T'as-tu laissé mon courriel? Ah, ben si tu veux, on peut le partager si tu aimerais. Oui. Ben, n'hésitez pas si je peux vous aider en quoi que ce soit. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci. Puis on se revoit pour la prochaine collation. Ça va être au mois d'octobre. On va parler avec Joël Nadeau de Passerelle. Ça va être jeudi le 14 octobre. Donc avec Joël Nadeau, on parle d'une plateforme communautaire éthique pour mettre en lien tous les gens de la province du Québec. C'est comme une sorte de réseau social du milieu communautaire. Donc, ça va être super intéressant aussi. Vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite. Pour l'événement de ce soir, par contre, on va partager le lien sur notre page Facebook parce que les inscriptions sont fermées sur Eventbrite. Vous référez à la page Facebook d'Alpha Numérique si vous voulez assister à ce soir. Un grand merci et une bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.